Nous allons prier d'abord le Seigneur avant la parole, avant l'exposé. Nous inclinons. Jésus, éternel Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, le Dieu de compassion, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre bénédiction. Est-ce qu'on est vraiment reconnaissant, Seigneur, cet après-midi, à cause de la grâce que tu as répandue dans notre vie, et de l'amour, Seigneur, que tu as répandu dans notre vie. Et t'as pu de pouvoir nous réunir, Seigneur, Seigneur, autour de la grâce. Jésus, je veux que ton esprit nous guide. Si nous n'avons pas cet esprit, nous parlerons par la grâce. Et pour que nous puissions auprès de parler de la grâce, il faut l'intervention de cet esprit. Je veux, Seigneur, que cet esprit qui est déjà en nous, qui n'est pas une promesse pour nous, continue à faire son travail, Seigneur, dans notre vie. Ce fait que Dieu vienne ce matin n'est pas seulement pour voir, pour manger. Il est venu, Seigneur, pour écouter la connaissance de la parole. Il est écrit, et celui qui méprise la parole de ses pères. Seigneur, tu sais là où je vais amener ce peuple, mon Dieu. Je vais amener ce peuple à la connaissance parfaite de ta parole. Et non à la connaissance parfaite des sorciers, des démons, des philosophies, et des sociologies africaines. Oui. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Comme ta grâce, soutiens, Seigneur, notre attaquement. Je condamne tout ce qui est condamnable à l'essai. Tous les esprits, Seigneur, des déportations particulières, tous les esprits démoniaques, les affrontements, tu me rends nul et sans effet au nom de Jésus. Nous avons vraiment besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Partout, il y a des conférences. Mais il faut que nous biblique. Il y a des Biblia. Il y a toujours d'autres personnes qui ne viennent pas, c'est toujours normal. C'est pour ça se passe toute la journée. Les autres sont occupés. Les autres travaillent. Les autres étudient. C'est toujours comme ça. Mais notre souci est que vous ayez la connaissance exacte de la parole. Souvent, nous organisons beaucoup de choses. Nous organisons les manifestations évangéliques pour la délivrance. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Nous organisons les manifestations bibliques pour votre bénédiction. Ce n'est pas mauvais, c'est biblique. Mais cette fois-ci, Dieu nous a mis à cœur d'organiser cette manifestation de la connaissance exacte de la parole. Voilà pourquoi nous sommes là. Je pense qu'il y aura aussi d'autres personnes qui peuvent aller dans l'état, c'est pas un problème. Notre programme devait commencer à 10h. Mais nous avons supporté vos caprices. La pause sera à 13h. Nous commençons l'exposé à 11h45. 13h, la pause. Nous allons partager le sucre. Si il y a un gâteau, nous allons partager. Et après, nous allons continuer. Pour nos bien-aimés qui sont arrivés en état, quand vous êtes arrivés à la Kwanza, le communiqué a été déjà donné pour les questions. Les journalistes sont là. Et nous n'allons pas poser les questions en désordre. C'est pour nous, c'est la première édition. Je sais bien que la deuxième édition aura lieu.
Nous allons évoluer toujours comme ça jusqu'à ce que vous allez comprendre parfaitement la grâce. Tutaenda kuendelea vile vile mpaka wakati mtaenda kuelewa vizuri kabisa neema ni nini. Et je suis en train de faire beaucoup de contacts dans le monde évangélique. Na niko napata hiyo mahusiano nyingi katika dunia ya kiinjili. Pour contacter aussi les grands prédicateurs de ces messages, les porteurs de ces messages de la grâce. Niko naenda vile vile kuwasiliana na watumishi wakubwa wa Mungu wenye kubeba hii ujumbe ya neema. Que nous puissions ouvrir une école, la haute école de la grâce ici. Jumbe kufungua hiyo somo kubwa, masomo kubwa ya neema mahali hapa. Il y a des universités théologiques partout qui étudient beaucoup de choses. Kuko hiyo ma university ya Kikristo ambapo ina passport ambapo inaenda kujifunza vitu mingi. Étudie leadership. Hiyo wanasema kuo ya ukubwa. Le management. Hiyo ya kio kwa kuongoza. Et nous sommes aussi en train de voir comment est-ce que nous pouvons faire une école, une haute école ou une école de la haute grâce. Asa na shetu wa tafesi ya kufanya hiyo kabisa somo la neema ya juu. Il y aura vraiment des cours. Kutakuwa kabisa hizo somo spécifique ambapo zime za kipeke. Ils seront donnés dans cette école. Ambapo zitafanwa katika hiyo somo. Ça sera pas seulement pour l'église de la grâce. Itakuwa juu ya kanisa la grâce. Mais ça sera pour toutes les églises. Itakuwa kwa ajili ya makanisa zote. Et à la fin, il y aura un papier. Na kumwisho kutakuwa hiyo cheti. Qui va vraiment montrer que tu as été formé dans la grâce. Kwa itaonyesha kama uli kabisa ulifunzwa ndani ya neema. C'est là où nous sommes appelés à partir. Ni pale ndio tunaenda. Et avant d'y arriver. Sasa mbele ya kufika hapo. Nous avons voulu d'abord organiser ce forum. Tulipenda kwanza kwenda kuandaa hii mkutano. Exposer ici la grâce. Hiyo ni sehemu ya kwenda kuonesha neema. Parler de la grâce. Kuzungumza juu ya neema. Installer la grâce dans nos vies. Kwenda kutia neema ndani ya mioyo yetu. Faire comprendre la grâce aux enfants de Dieu. Kuelewesha neema kwa watoto wa Mungu. Vous donner la vraie révélation de la grâce. Kuwapatia ufunuo wa kweli wa neema. Ça va beaucoup plus vous aider dans la vie chrétienne. Itawasaidia kabisa sana katika maisha ya Kristo. Alors soyez toujours connectés à la vision de la grâce. Ndio maana mkwe tu wewe kuambatanisha kwenye onyo la neema. Il y aura beaucoup de surprises. Utakuwa hiyo mshtuko ya mingi. Chaque fois que nous serons toujours là en vie. Wakati wote tutakuwa hapa katika maisha. Pour le moment. Sasa kwa sasa hii. Vous avez des questions. Na maswali. Après notre exposé. Kisha hiyo somo letu. Les questions seront tout autour de notre exposé d'aujourd'hui. Hiyo maswali itakuwa yenye kulingana na somo letu la leo. Vous allez le déposer, vous allez passer chez le pasteur, il est là derrière. Mutaenda kuacha maswali zenu kwa mchungaji ambapo kulikuwa kule nyuma. Vous déposez vos questions là-bas. Munatia maswali zenu huko. Et lui collecte les papiers. Na yeye anaenda kukongoa hiyo makaratasi. Il donne un protocole. Anampatia mkabishaji. Et notre protocole l'amène au journaliste. Na mkabishaji anampatia mpasha habari. Donc le journaliste sera là. Mwisha mpasha habari atakuwa hapo kwenye kipo. Lui, mon interviewer, je travaille toujours avec lui. Ye ndiye ambapo kuswali wangu mimi na tumika naye. Partout où même à l'EPC, la radio Afia. Ata kwa EPC wala kwa radio Afia. Donc vous allez amener vos questions, le pasteur va collecter les papiers et notre protocole va amener ça. Mutaleta maswali zenu mtumtapatia mkanishaji na mtapatia na taona ule ndio atakuwa msemo wangu pourquoi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parfois la honte de se tenir debout devant des gens comme ça et parler et poser la question kwa sababu kuna watu wengi ambao wanakuwa na haya ya kushinwa wima katika watu na kusema ukilie l'ordre chukukue hiyo usawa les questions vont passer par les journalistes. Ma misemwa maswali zitapitia kupitia mpashabara. C'est lui qui va me poser ces questions. Ni yeye ambapo ataswali hiyo maswali kwa pasi yenu. Mada yetu ya mkutano huu est intitulé Nibatizwa ce que la grâce est. Ile ambapo neema iko. Pourquoi ce que la grâce est? Kwa nini yale ambapo neema iko? Je pense que c'est la première question comme nous venons de le dire. Nawaza ni mkutano wa kwanza kisa natuwa kuisema. Il y aura la deuxième édition, la troisième, quatrième, etc. Kwa sababu kipindi cha pili, cha tatu, cha nne na kuendelea huko. C'est comme cela, nous avons voulu commencer d'abord par deux. Ndio maana nilipenda tuanzie chini. Nous avons voulu attaquer d'abord la source, la racine, donc la base de la grâce. Ndio maana tulipenda kwanza kukamata chemchemu, chanzo, msingi wa neema. Petit à petit, nous allons commencer à monter jusqu'à ce que vous allez atteindre cette dimension. Pour les portes, on a parlé,
Donc nous allons vous munir aujourd'hui des définitions exactes de la grâce. Parce que vous ne pouvez pas parler de la grâce si vous n'êtes pas en mesure de la définir. Même les musiciens, les chanteurs qui nous chantent savent définir ce que c'est la musique. La politique. Même les militaires sont en mesure de définir l'armée. Et comme ce forum tourne autour de la grâce. Sasa kisi hii mkutano hii katika inazungukiwa kwa la grâce est notre message de base. Neema ambapo iko ujumbe wetu wa msingi. La grâce qui est notre vision pour l'église de la grâce. Neema hiyo kama vile ufunuo wetu onyo letu ya kanisa Cité de Grâce. C'est ainsi que toute forme de l'église de la grâce doit être en mesure de définir correctement la grâce. Ndio maana vile pia mtoto wa hii kanisa neema ya Cité de Grâce anapaswa kuwa na uwezo wa kufafanua hiyo neema. Alors, je vais vous munir de cette définition exacte de la grâce aujourd'hui. Sasa mimi nitaenda kuwapatia hiyo ufafanuzi wa neema leo. Ayez vos cahiers, écrivez cette neema. Moi na mambo zenu na mwandike hiyo. Je crois ce n'est pas une simple prédication, mais c'est une conférence. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de versets que nous allons lire. Parce que nous avons vraiment le temps, nous avons exposé ce temps pour le Seigneur, pour la parole de la grâce. Nous allons lire beaucoup de versets. Pour ça, je vais demander à nos lecteurs d'être vraiment prêts de préparer les Bibles pour qu'ils puissent nous accompagner. Yes, merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Amen. La grâce, le mot grâce. Iyo kusema wanaita neema. C'est un mot qui vient du grec. Inatoka kwa Kigiriki. Parce que la Bible a été écrite en deux langues. Kwa sababu Biblia iliandikwa kwa lugha mbili. La première langue c'est hébreu. Lugha ya kwanza ni Kiebrania. La deuxième langue c'est grec. Lugha ya pili ni Kigiriki. C'est ainsi que l'Ancien Testament Jomana agano la kale est true Ibrahim. Jomana iko kabisa ya ki Ibrania sana. L'Ancien Testament a été beaucoup écrit en hébreu. Iyo agano la kale iliandikwa sana katika Kiebrania. Et le Nouveau Testament en grec. Sasa agano jipya iliandikwa sana katika. C'est comme ça, pour mieux définir les mots bibliques, il faut recourir à ces deux langues. Jomana Dieu kwenda kufafanua za kibiblia. C'est comme ça, même le mot église, c'est un mot qui vient du grec. Ecclesia, ecclesia. Hata hiyo jina wanaita kanisa inatoka katika Kigiriki wanaita ecclesia. On l'a converti en français par l'église. Walienda kuibadilisha kwa Kifaransa kwa kuita église wala kwa Kiswahili kanisa. Mais il tire son origine. Lakini anatoa inatoka basi chanzo lake. Ce n'est pas en français ou en hébreu. En grec. Il dit son origine du grec. Ecclesia. Ecclesia. C'est comme ça que la grâce aussi est un mot grec. Charis. Charis ou charis. Charis. Charis ou la charis. Si nous pouvons le lire comme ça pour mieux le comprendre. Charis. C'est comme on écrit Charles, S à la fin. On peut le lire Charis. Vous êtes sur ma Charis ou Charis. Voilà Charis. C'est un mot grec. Il commence à moi grec. Maintenant, ce mot Charis. Hasta il commence à moi Charis. A engendré un autre mot qu'on appelle charisme. Charisme. Donc le mot charisme vient du mot chari. Je sais que le mot charisme c'est un mot populaire. Charisme. Donc c'est un mot grec. Iko msemo wa Kigiriki qui vient du mot chari.
ambapo natoka kwenye msemo unaita shari. Maintenant ce mot charisme, charisme. Asa hiyo msemo charisme. Parfois il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la définition de ce mot charisme. Watu wengi hawajua maana ya hiyo msemo unaita charisme. C'est comme mon dans lingala, mtu asa charisme bele, mtu asa na charisme bele. Sasa semaka mkiswahili mtu una charisme za mingi, za mingi kwa Eglise charismatique. Oh, kanisa ya charismatique. Eglise na dishoza charismatique. Oh, eglise ya charismatique. Parfois vous connaissez pas c'est un mot grec qui vient du mot chari ou kari. Qui veut dire don, kipachi. C'est que charisme veut dire don. Kusema hiyo charisme maana yake ni kipachi. Les dons de cet esprit, les dons de prophétie, les dons de parlala, les dons, tous ces dons-là, c'est ça le charisme. C'est pour ça qu'on appelle notre église, parfois nos églises, de l'église charismatique, là où les dons spirituels sont opérationnels. C'est comme ça que l'église catholique aussi avait compris lorsque le mouvement le réveil avait commencé à cette époque. L'église qui prophétisait, qui parlait la langue. Lorsque l'église catholique a compris. Lorsqu'il a vu mettre cette église de réveil. Il a compris qu'il allait perdre beaucoup de prédits. C'est comme ça qu'ils avaient organisé cette branche, cette branche-là. Jomana walienda kwenda kuunda iyo kundi. Charismatique. C'est une branche de l'église catholique. Iko kundi moja ya kanisa catholique a fait juste ça. Parce que lorsque le fond de l'église de l'éveil avait commencé, le groupe de prière à ces années-là, 80, tout le monde partait déjà vers le groupe de prière. Parce qu'il y avait des prophéties, il y avait les dons qui se manifestaient. Alors l'église catholique a compris qu'il y avait des dons. C'est comme ça qu'on avait, on avait fait cette branche-là de charismatique. Kundi ya charismatique. Juste pour protéger les dons. Ni kwa ajili tu ya kwenda kulinda kondo za. Dans les charismatiques là, il y a les dons qui opèrent là-bas. Charismatique kwa mahifadhi na kwa chasse les démons. Ils prophétisent. Ils parlent la langue là-bas. C'est juste pour maintenir les prédits. Ils kwenda kuweka kondo zao. Qui étaient déjà prêts à partir vers les groupes de prière. Donc, le mot charisme veut dire. Hiyo msemo unaita charisme inamaanisha kipaji. Sabe posé. Amen. Amen. Sabe compris? Amen. Mais le mot charisme veut dire? Non. Donc, msemo wa charisme inasema kama ni kipaji. Lorsque nous prêchons la grâce ici, wakati tunahubiri neema mahali hapa, nous ne prêchons pas la grâce comme un simple message. La grâce pour nous, ce n'est pas seulement les cantiques. La grâce pour nous, ce n'est pas, les slogans. Et donc, charisme.